Salut à tous, c'est Calypso53, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un petit truc à vous présenter, un petit truc sympathique, la Loot Crate. Ah bah vous la voyez toujours en fait. Ah, c'est dommage, je peux rien y faire. Bon alors, je t'explique pour la petite anecdote parce que je vois que tu montes sur tes grands chevaux. En fait, sur le retour de mon réflexe, on voyait le logo Lootcraft à l'envers. Donc voilà pourquoi j'ai dit ça. Pour vous présenter un petit peu... Ok, c'est bon, calme-toi. J'ai compris. Il y a un petit truc qui te dérange là, je sais. C'est ça. Ok, d'accord. Tu te rappelles pas de ma FAQ quand je suis tombé par terre? Tu croyais que c'était du ketchup, toi? Non, mais n'importe quoi, moi je fais les choses bien. Je me suis bien éclaté la gueule par terre, vraiment. Non, pour la petite anecdote, j'ai voulu devenir Harry Potter parce qu'en fait, la prochaine boîte de Loot Crate, c'est sur le thème fantastique. Là, on est sur le thème espionnage. Et je me suis un petit peu gouré dans les mois, donc du coup, bah voilà, j'ai fait le petit signe Harry Potter. Bon, par contre, il est indélébile, faut que je le garde pendant quelques semaines. Problématique, on peut le dire. Trêve de bavardage, pour vous présenter la petite boîte, au passage, vous allez me dire « Ouais, mais j'ai un cas, toi, tu plagies sur les autres youtubeurs !» Pour tout vous dire, c'est un abonnement, donc on la reçoit tous en même temps. Moi, c'est juste que j'ai eu ma FAQ à faire avant, et j'ai eu d'autres vidéos à faire avant. Donc s'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait juste avant, et bah... Voilà. Alors, ça se présente comme ça, en fait, pour tout vous dire... ça fait combien de fois que je vous dis pour tout vous dire? Comptez-le dans la vidéo, c'est cadeau. C'est un petit défi que je vous donne. C'est une boîte qui regroupe plein de goodies. Donc, là par exemple, vous avez une montre. Là, vous avez je ne sais pas quoi. Là, on a un t-shirt. Là, on a je ne sais pas quoi. Là, on a je ne sais pas quoi. Parce que honnêtement, je m'y connais très peu en matière d'espionnage. Donc... j'attends la prochaine boîte qui va beaucoup plus me plaire, je pense. Mais pour l'instant, je vous présente cette boîte-là, parce que je vous présente le concept et tout. Et puis, bah, voilà, on est d'accord. Alors, moi qui est un grand fan des montres, je vais commencer par la montre. C'est pas une montre qui vaut le prix de mes montres habituelles. Rends l'argent aux abonnés. Une petite montre, sympathique. Ça peut être sympa pour aller au sport. Je vous referai un focus après par rapport au... Enfin, je vous montrerai les trucs plus simplement. La petite montre tacotil, oui monsieur. Donc voilà, la petite montre plutôt sympathique, j'aime bien. C'est sobre, c'est cool, voilà. Et c'est pas épais, donc voilà. Je vais essayer de la mettre d'ailleurs. On va enlever celle-ci. Voilà, tac. La petite montre qui va bien. Voilà. Je vais mettre ma deuxième en même temps. Comme ça, je... Parce qu'il y a un autre truc qui se met autour du bras, donc je vais avoir plein de trucs autour du bras. Ça, c'est des petits carnets, vous savez, là, les carnets des trucs confidentiels, des espions ou des comment ils s'appellent, des détectives, etc. Bah, c'est ça, voilà, un petit carnet avec des petits trucs top secrets. Oh merde, il y en a deux, en fait. Ça, il y a même... Mais c'est une règle. Je sais pas ce que c'est. Bref, des petits carnets, plutôt sympathiques. Les petits carnets de notes. Voilà. Au passage, je vous mettrai dans la description le lien pour aller voir tout ça. Et le prix aussi d'ailleurs, parce que je l'ai pas en tête. Donc je suis désolé. Je vous laisse aller voir. Je vous laisse vous démerder, on peut le dire. On peut dire ça comme ça. Ah, je sais, c'est stressant ça. Hein. Je le vois dans vos yeux. Ah, bah ça c'est un tour de cou pour accrocher. Pour accrocher, je ne sais pas quoi. Mais je peux accrocher ça, vu que je suis débile. Hop. Le mec qui a pas... Ça se trouve, ça sert à ça, en plus. Voilà, j'ai mon petit carré de notes. Comme ça. Vous connaissez les trucs de Marvel à Agent of S.H.I.E.L.D. Je sais plus ce que c'est, mais ça me dit quelque chose. Je sais plus si c'est un film ou un jeu, ou un dessin animé, mais je sais que ça me dit quelque chose. Bon, toi, je te déchire parce que tu commences à m'énerver. Et ce qui est bien avec ces petites boîtes là, c'est qu'on sait jamais ce qu'il y a dedans. Et... Oh, c'est quoi ce truc? C'est sympa. Je sais pas ce que c'est, c'est une carte. Bah, je pense que ceux qui connaissent le jeu ou je ne sais quoi, je m'en rappelle plus exactement, vous allez reconnaître. Donc, à vous de me dire ce que c'est. Vous allez mieux savoir que moi, je pense. Donc ça, en fait, c'est la réplique officielle des agents du S.H.I.E.L.D. Donc après, pour les connaisseurs, je pense que ça doit vous plaire.
Avec de l'énervement, ça marche toujours mieux. Voilà. Donc ça, c'est un bracelet de survie. Le petit bracelet de survie avec le petit logo Loot Crate au passage. Plutôt sympathique. En fait, je crois que tout ça, c'est une corde. Et je crois que tout ça s'enlève. Bon, j'ai pas envie de le faire parce que je crois que je vais me niquer. Mais je veux pas le faire. Voilà. Mais ça, on peut le mettre autour du poignet aussi. Allez! Le mec est trop vénère dans sa vidéo, tu sais. Ah! Putain, j'arrive jamais à mettre le truc. Le petit bracelet de survie. Donc, il y a la montre, le bracelet de survie. Il y a le t-shirt. Oh, qui est plutôt cool. Et franchement, il est super beau. Moi, perso, j'adore. Après, les goûts et les couleurs. Toi-même, tu sais. Ah, oh, putain, c'est du M. Non, c'est du combien? Ah non, c'est du S. Yes. Tu vois, je vais le mettre tout de suite, même. Kalypso, il fait sortir les pecs. Bon, là, c'est... Non, ça fait sortir rien du tout, en fait. Quoi, comment ça, j'ai pas enlevé mon polo en dessous? Oh, c'est dans la tête. C'est dans la tête. On a un petit truc qui nous explique... C'est en anglais. C'est en anglais, je tiens à vous le dire. Je vais pas tout lire en vidéo, hein. On est d'accord. Donc, d'accord, ils nous font voir quelques détectives. Austin Power, je connais. Donc ça, c'était un détective. Metal Gear, ah ouais, d'accord, ils nous font voir quelques petits détectives reconnus. Ah, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Hop. Ça, c'est la petite carte. Et ça, c'est là. Ça permet de mettre la carte autour du cou, voilà. Et c'était pas pour le carnet de notes. Et bon, vous le savez, je suis un peu débile. La BD digitale qui a téléchargé. Donc, je cache le truc de téléchargement pour pas que je me fasse niquer. Voilà, parce que j'ai envie de la lire. Voilà, voilà. Bah, de toute façon, je l'aurais déjà téléchargé. Donc, de toute manière, je peux déjà vous la faire voir. Voilà. Là, il y a encore une application à télécharger. Je peux pas vous la faire voir parce que... Parce que faut que je la télécharge. Voilà, je la découvrirai moi-même. C'est des trucs à remplir, vous voyez, comme... C'est un texte à remplir. Je sais pas comment vous dire, vous avez compris peut-être. Donc ça, c'est un carnet. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est le petit truc avec tous les mots à remplir. Je sais pas ce que c'est exactement, mais faudrait que je voie ça par la suite. Le pins, Loot Crate. Oui, ma gueule. Hop, je l'avais déjà vu dans une autre... dans une vidéo. C'est vrai que je suis toujours un galérien pour ces trucs là. Je vais tout arracher. Parfait. Le petit pinceau qui va bien. Et ah, il en reste encore. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de... Il y a quand même pas mal de trucs dans la boîte. Que ça soit matériel ou dématérialisé, parce que vous l'avez vu, il y a quelques petits trucs sympas en... Enfin, je sais pas si c'est sympa ou quoi, mais il y a quelques petits trucs en dématérialisé. Ah, c'est une BD. Trop bien. Oh, ça c'est cool. Ah, je croyais que c'était un magazine, mais non, c'est une BD. La petite BD, je ne sais pas c'est quoi, je ne connais pas. Parce que je vous l'ai dit, en détective, je suis... Putain, c'est ouf. En détective, je suis plutôt une merde. La petite BD, donc qui s'appelle Sarah, apparemment. Hop, voilà. Ouah, que je déchire pas tout. Donc voilà tout ce que vous pouvez trouver dans la Loot Crate. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Il doit y avoir à peu près une dizaine de goodies. Donc c'est plutôt sympathique. Après, bien sûr, faut que vous tombiez sur une boîte qui vous plaît, en fonction du mois, bien sûr. Comme je vous l'ai dit là, pour ce mois-ci, c'est la boîte détective. Ensuite, le mois prochain, il y aura The Fantastic. Il y aura Fantastic et la boîte d'avant, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'est un truc rétro, un truc comme ça. Enfin bref, ça change à chaque mois et c'est ça qui est plutôt sympa. Et regardez, j'ai trouvé une meilleure utilisation. C'est mieux qu'un bracelet, vous trouvez pas? Non? Ok. Bref, la vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pourquoi pas à mettre un petit like si vous voulez. Un autre épisode, ou entre guillemets, une autre ouverture des boîtes Loot Crate, parce que personnellement, j'en aurai tous les mois, donc pourquoi pas faire la prochaine avec vous, et puis pourquoi pas les autres prochaines, hein, c'est à vous de me dire. Donc, comme j'ai dit, la prochaine, c'est fantastique, donc ça va être cool, ça va être fantastique, on peut le dire. Petit jeu de mots, non, c'est pas un jeu de mots, bref. Je vous dis à la prochaine.